Nyan Family, le journal intime de Freya. Bonjour, c'est Crème. Ma sœur Freya est une violoniste très douée. Elle a un récital dans les prochains jours. Écoutez, est-ce que vous l'entendez jouer? J'aimerais tellement savoir jouer du violon. Le récital de la ville? Ça, c'est la grande classe. Je dois aller en ville demain, alors je passerai peut-être voir ça. Ça te dit, Ralph? Avec joie. Ça me fait plaisir. Maintenant que je sais que vous venez tous, je vais m'exercer encore plus dur. Freya est vraiment impressionnante. Oui, c'est vrai. J'aimerais tellement savoir jouer du violon, moi aussi. Ce passage est tellement difficile. S'il te plaît, Freya, je peux essayer de jouer du violon, moi aussi? Bien sûr. C'est vrai. Mais peut-être pas aujourd'hui. Parce que c'est demain que j'ai mon récital, alors il faut que je m'exerce. D'accord. J'ai encore du mal avec ce passage. Freya, Crème, c'est l'heure du goûter. On arrive. Viens, Crème, allons-y. Tu peux napper toi-même les donuts de chocolat. Chouette! Je vais verser le chocolat comme ça. Freya fait une pause dans ses répétitions pour l'instant. Dans ce cas... Oui, voilà, beau travail. Est-ce que je le fais comme il faut? Tu peux m'apporter une assiette? J'aimerais être plus douée pour ça. Voyons voir. Hé, papa! Quoi? C'est difficile de bien napper les donuts de chocolat. Est-ce que tu peux m'aider? C'est difficile. Dans ce cas, ce sera plus gratifiant pour toi d'y arriver seule. Il faut que j'y aille. Dis, mon chéri, c'est pas aujourd'hui que... C'est pas aujourd'hui que les raisins envoyés par grand-père doivent arriver? Il a l'air d'avoir quelque chose d'urgent à faire. J'espère que ça ne la dérangera pas que j'emprunte son violon. De toute façon, elle est en train de manger son goûter. Je pense qu'elle ne dira rien. Je suis allé faire un petit jogging. Pourquoi subitement? Eh ben... Oh, ces donuts ont l'air délicieux. Tiens donc, pourquoi tu n'en manges pas, Crème? C'est que... Alors, Freya, comment se passent les répétitions de violon? Super bien. Mais il y a un passage qui reste très difficile à jouer, alors il faut que je m'exerce encore.
Merci pour le goûter. Freya, où est-ce que tu vas? Je remonte pour continuer à m'exercer. Attends un peu, il n'y a pas d'urgence. Il a raison, tu devrais te reposer un peu après avoir mangé. Vous croyez? Oh, je crois que j'ai entendu quelqu'un arriver. Papa n'arrête pas de courir partout aujourd'hui. Il doit vraiment être pressé de recevoir les cajots de raisin. Waouh, ils ont l'air délicieux. Ces grappes de raisin viennent de chez grand-père et grand-mère. C'est déjà la saison du raisin. Oh, pourquoi tu n'en goûterais pas quelques-uns avant d'aller t'exercer, Freya? Ah, bonne idée. Non, j'en mangerai plus tard. Freya, il faut absolument que tu les goûtes. Je pourrais aussi les goûter plus tard. Et Freya, tu ne voudrais pas venir jouer un peu avec moi dehors? Jouer? Mais et mes répétitions au violon? C'est important de faire des pauses de temps en temps. Il faut savoir détendre son corps et son esprit pour bien jouer de la musique. Papa a raison, je vais venir jouer avec vous moi aussi. Merci de m'apporter autant de soutien, ça me touche énormément. Super, alors allons dehors. D'accord, très bien, puisque c'est ça, je vais me donner à fond. Je vais m'exercer sans relâche pour que le récital soit une réussite. Freya déborde d'enthousiasme aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'être à demain. Moi aussi. Qu'est-ce qui lui arrive? Ton archet s'est cassé en deux. Tout le monde va savoir. Mince alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que je ne l'ai pas posé assez doucement sur la table. J'ai dû le plier sans faire exprès. Freya, tu as cassé ton archet. Qu'est-ce que je vais faire? Tu te trompes, ce n'est pas de ta faute, Freya. Il faut que tu prennes soin de tes affaires. Oui, c'est vrai. Je sais que c'est mal d'avoir cassé son archet. Et je sais que c'est encore plus mal de faire comme si je n'y étais pour rien. Mais... Ça va, Crème? Mais... Alors c'est décidé! Il est temps de me lancer! Écoute, Freya. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa? Je suis vraiment désolée. Celui qui a cassé l'archet de ton violon en deux, c'est moi, Freya. Quoi? Crème, c'est l'heure du goûter. On arrive. Viens, Crème, allons-y. Oh. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué du violon. Hop. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Oh non. Donc tu l'avais déjà cassé avant que j'y touche? Ah, c'est pour ça que t'étais si nerveuse, tu pensais l'avoir cassé. Je vois, maintenant je comprends mieux. Mais pourquoi aucun de vous ne me l'a dit tout de suite? Eh ben, c'est que... Je me suis dit que ça te rendrait très triste. Non, la vérité, c'est que j'avais peur. Quoi? Tu avais peur aussi? Je n'avais pas le courage d'admettre que j'avais fait une bêtise. Mais moi non plus, je n'en ai pas eu le courage, pardon. Freya, Crème... Je suis désolée. Je vois. C'est donc ce qu'il s'est passé. Oui, on dirait. J'étais tellement surprise. Mais comment tu vas faire pour jouer sans archet? C'est demain le récital. Oh là là, tu as raison. Comment est-ce que je vais faire? Ah, cette fois, c'est la bonne. Oh, tiens. Coucou, William. Coucou. Stella m'a demandé d'apporter ceci. Génial, c'est un archet. Tiens. Il y a une lettre avec. N'aie pas peur, tu vas y arriver. Crois en toi. Croire en moi? Merci beaucoup, Stella. J'ai compris. Tu as demandé à Stella d'envoyer un nouvel archet. Tu as fait ça quand? Tu as deviné. Je suis allée chez la famille Écureuil Roux pour utiliser leur téléphone. Ah, c'est donc pour ça que tu courais partout. Oui. Après tout, le récital est pour demain. Oh, William, merci du fond du cœur. Oh, il n'y a pas de quoi. Cette fois-ci, je vais en prendre grand soin et je vais faire une bonne prestation demain. Alors, c'est décidé! Il est temps de me lancer! Bravo! Freya, très bien joué. Le récital était une réussite.
S'il te plaît, Freya, tu peux m'apprendre à jouer du violon? J'ai envie de savoir jouer du violon aussi bien que toi. D'accord. Commence par tenir le violon comme ça et l'archet au-dessus. J'espère qu'un jour, nous donnerons un récital ensemble.